Bienvenue sur Monde TV, nous sommes le jeudi 17 mars, l'actualité du jour. Au sommaire aujourd'hui, l'actu locale. Les habitants de l'agglomération de Mantes-la-Jolie ont manifesté dans le centre-ville pour réclamer la réouverture de l'unité de cardiologie de l'hôpital, fermée depuis octobre. 200 personnes ont participé au mouvement et depuis le début de l'année, pas moins de 17 000 signatures ont été récoltées pour dénoncer la décision de l'Agence régionale de santé qui mettait en avant le nombre insuffisant d'actes pratiqués. Selon les contestataires, la fréquentation avait enregistré une hausse l'an dernier. Désormais, les patients devront rejoindre une clinique privée distante de 30 km. Le sujet suscite une bataille entre communiqués de presse, entre Patrick Le Foulon, le premier adjoint au maire du PS de Mantes-la-Ville, et la députée UMP Cécile Dumoulin. N'oublions pas que les législatives auront lieu en 2013. La campagne aurait-elle déjà commencé ?